au début. Moteur. Une passion inexplicable en fait. Faut pas expliquer, j'écoutais de la musique dès ma plus tendre enfance, en famille, toutes sortes de musique, classique, traditionnelle, folklorique, espagnol, flamenco, rock, jazz et tout ça déjà étant enfant, donc c'était quelque chose de vraiment naturel. Ce que je fais, c'est une musique, je dirais, un petit peu au carrefour de toutes les musiques. Voilà. C'est une musique qui n'a pas une étiquette, qui ne rentre pas dans une case fermée. Qui n'est pas dans une case, c'est une musique sans frontières, avec toutes les influences de toutes ces musiques que j'aime et que j'écoute et que j'ai écoutées, que ce soit des musiques... bien sûr occidentale, classique, jazz, Amérique latine et bien sûr toutes les musiques du monde oriental. Non, je connais un petit peu la Vendée, je crois que je m'étais produit dans la région, je ne sais plus ni vraiment où, ni vraiment quand. Mais... La Chaboterie, étant donné que je m'intéresse à la musique baroque et que je joue avec une théorbiste qui s'appelle Claire Antonini, qui a joué à la Chaboterie plusieurs fois, et donc j'ai eu l'occasion de passer à la Chaboterie et d'écouter de la musique dans ce lieu. J'espère que ça marche, en tout cas je pense que c'est vraiment très très... très bien, très utile de relier le patrimoine, les arts, la musique, tous les arts en général, tout ce qui cultive, disons, le goût pour la culture des gens, la curiosité, l'histoire, tout ça c'est très important. Qu'est-ce que j'essaie de transmettre ? Que je peux dire avec des mots, parce qu'en fait, vous savez, si on fait de la musique, c'est justement parce que c'est une expression qui est au-delà, parallèle aux mots. Mais s'il fallait résumer, je pense que c'est une façon, en tout cas, d'éveiller l'âme, en fait. Je pense que la musique, c'est quelque chose qui est censé éveiller l'âme, la mettre en mouvement, la distraire, lui apporter une dimension un petit peu supplémentaire à la vie quotidienne, aux choses matérielles les plus nécessaires, mais par moments un peu astreignantes. Donc la musique, ça nous aide à nous évader, à trouver une autre dimension à notre existence. Alors, le message, il va être dans la musique. Alors je ne saurais le dire avec les mots, le message. Il va être dans l'interaction avec le public à partir de cette musique qu'on propose. Petit conseil, alors étant donné que le cadre ne sera pas celui de la Chaboterie, c'est par moment de fermer les yeux, d'imaginer qu'on est dans ce cadre, qu'on est sous une voûte étoilée, profiter de se laisser bercer par la musique, de se laisser emporter.